Hello les amis, ici c'est ShadowHawk et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Tomb Raider, mais cette fois-ci en multijoueur, puisque oui, les gens crieront à l'aberration, il y a un multijoueur sur Tomb Raider, mais ça fait toujours le plaisir de s'éclater entre amis. Bon, en l'occurrence là j'ai pas trouvé d'amis et j'ai pas joué encore au multijoueur, donc je vais tester ça avec vous en direct. Donc apparemment il y a 4 modes de jeu, ce qu'on m'a dit. Ouais. Donc sauvetage, une équipe doit récupérer des trousseaux de soins pendant que l'autre doit les abattre. Combat en équipe, c'est un match à mort en équipe normale. Appel à l'aide, les survivants doivent activer des tours radio pendant que les autres doivent les en empêcher, donc les tuer. Et donc mêlée générale, donc, chacun pour sa peau. Je pense qu'on va faire un petit combat en équipe. On va faire ça en mode détente, hein. J'ai encore jamais joué, donc je suis complètement niveau 1, je suis à poil, sans armes. Non, j'ai quand même des armes de base, mais voilà, j'ai pas des armes de ouf. Ah, voilà, ils m'ont trouvé une partie. Je ne connais absolument pas les maps, bref. Je suis en mode newbie. Éliminer l'équipe adverse. Ça va, ça, c'est dans mes cordes. Buter des gens. J'espère que je vais pas tomber sur... Heureusement je me suis mis en détente, parce que sinon je pense que je vais tomber sur des faux furieux qui ont fini le jeu en une journée et qui passent leur temps sur le multi maintenant. Pourrait apparaître près d'un coéquipier si sa santé est au maximum. D'accord. Ultra pour changer d'épaule, ça je connais. D'accord, alors mes armes, j'ai un lance-grenade, un fusil à pompe. Ok, bon. On commence par avancer. Ça tire de partout. Je sais même pas ce qui se passe, je ne croise absolument personne. Juste comme ça, on est combien? 4 contre 4. J'aimerais bien voir des ennemis en fait. Est-ce qu'il y a des gens quelque part? Ah, déjà on peut sprinter. Ce qui est intéressant. D'accord. Je me suis fait buter comme ça. Bon. Alors lui déjà il a un arc avec des flèches et du feu. Purée. Alors, essayons de trouver des mecs et de les tuer en l'occurrence. Ça pourrait être sympathique. Bon, il y a un ami qui est mort là. Donc c'est qu'il y a un méchant pas loin. Logiquement. Logiquement. Alors. J'ai besoin de trouver des gens à tuer, moi. D'accord, ici c'est en feu. Alors j'entends des gens tirer de partout mais je ne vois personne, c'est embêtant je trouve. Voilà. Un en moins. Oh, lui déjà. Ah, ils sont casse-couilles avec leur piège là. Ah, bon,
Je me suis fait buter par un merc à l'arc. Alors c'est sûr que en 4 contre 4, c'est pas non plus. Du coup c'est pas. Il y a moins de monde donc. Peut-être moins de. Par contre il faut absolument que je fasse attention aux pièges, aux différents pièges, parce que ça, c'est un truc de bâtard. Donc on va faire attention à ça. Dépêche-toi. Ah, je me suis encore fait prendre dans le piège. Bon, tant pis, il était dans mon dos. Bon, bah, il y a ceux qui savent jouer et il y a moi. Je devrais en fait plutôt réapparaître vers mes potes plutôt que de chaque fois réapparaître à la base. C'est beaucoup plus stratégique, je pense. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans comme ça? C'était un piège. J'aurais dû m'en douter avec les gros trucs rouges, mais bon. Alors le but c'est quand même de tuer des gens, donc on va essayer de se trouver vers eux. Vraiment je fasse attention à cette merde de piège là-bas. Et hop, on évite le piège. Aïe, ça fait bobo ça. Bon, bah, au moins j'ai déjà réussi à faire des kills. Hein? 2 pour 1. Ah non, c'est aide à élimination. J'ai fait du 1 pour 5. D'accord. Je sais pas trop où il est lui. D'accord, quand je ne fais rien en fait, ils me font réapparaître directement. Bon, déjà on va arrêter de passer dans le piège. Allez, go go go. Oh là là, c'est ce qu'on s'appelle, c'est ce qu'on appelle un entretuage. Dommage, t'es mort. Moi du coup, pour réparer près d'un ami qui est mort, c'est pas facile. Ouais, je voulais montrer quand même plus de choses que ça, parce que ça m'a pas l'air super. C'est mort en 2 secondes, mais là. Comme je suis pas très doué, vous avez découvert avec moi ce mode de jeu, mais bon, je suis vraiment une quiche, donc vas-y, Barracuda. Ils sont où? Ah, déjà, il y a encore un pote qui est mort, donc à mon avis... Est-ce que je peux faire un piège là? Non, ça doit être un piège ami, c'est pour ça. Bon! Là, je me fais défoncer par des mechas à l'arc. Ah, bah là, oui, défaite cuisante, j'ai envie de dire même. D'accord, c'est en 3 manches en plus. Ok. Bah... Prochaine manche dans... Ouais. Bah mes prouesses, elles sont pas super. D'accord, d'accord.
Bah écoutez, je vais faire quelques parties, je pense. Une fois que j'aurai un peu plus de skill, je vous montrerai, je pense. Re, les gens, on se retrouve pour un autre petit. Pour la suite du multi sur Tomb Raider. J'ai eu le temps de faire quelques parties. Je dois avoir fait genre deux parties, hein. J'ai pas. Hop, juste le temps de me familiariser un peu avec les commandes et les différentes armes. Je suis monté de quelques niveaux vite fait, mais j'ai vraiment. Donc en général, les parties sont pas très 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 longues puisqu'il suffit d'atteindre 25 kills. Et on a vu que. Je me suis planté là. Ah, je me suis pris une flèche. On a vu qu'il y avait 3 manches, mais en fait en général ne fait que 2 manches puisque il suffit de gagner 2 fois de suite en fait, c'est tout. Et en général quand une équipe commence à gagner, elle termine. En général, hein. Super. Ah le bâtard, il m'a eu. Bon. J'ai fait une partie où j'étais premier, donc c'est dommage. Là, j'ai pas. Là, à mon avis, je vais pas terminer premier, puisque je. Cette map, je la découvre. Tiens, coup de piolet. Ça te fera plaisir, mon ami. Malheureusement, il y a beaucoup de. C'est pas du spawn kill, mais presque, quoi. Oh bah là je vais crever parce que là à mon avis ils sont deux. Bon j'ai quand même réussi à en tuer un. Alors je suis toujours en mode détente et pourtant il y a des niveaux il y a quand même j'ai quand même croisé un niveau 55 je crois. Bon, niveau 43. Ah non, on a que 3 ici. Niveau 43 en mode détente, je suis pas sûr que ça corresponde exactement. Mais bon. Là je suppose qu'il doit y avoir un type en bas, si l'autre a peur de descendre. Allez go, de toute façon, le meilleur chose à faire, c'est de courir. Si t'as un fusil à pompe, je suis partant pour que tu m'ouvres la porte. Et il y a toujours des petits trucs à récupérer, donc les matériaux à récupérer, en général, c'est pour améliorer. Enfin, en général, non, c'est pour améliorer. Voilà, t'auras beau t'acharner. Les gens reconnaîtront un peu le multi d'Uncharted. Ouais. Par contre, il y a la notion des pièges qui est bien mis... Il y en a qui jouent beaucoup avec, il y en a qui jouent un peu moins. Moi j'essaie de jouer quand même de temps en temps. Je me fais souvent prendre d'ailleurs, mais maintenant que j'ai un peu appris à les repérer, c'est difficile. Hop. Oh, il est parti. Il vient de me cramer complètement. Allez, bam! Ça fait plaisir. Bon, ils ont pas l'air d'être là. Oh, yes, il y a quelqu'un qui a ouvert le passage. Ça c'est cool. Ouais du coup en fait on a un peu, on squatte un peu chez eux. Hein. Ça en général les grenades ça pardonne pas. Et oui donc les maps sont interactives, j'ai remarqué ça en général. J'ai joué une map dans un espèce de désert et au bout d'un moment... Il y a du sable partout qui recouvre la map, donc du coup pour voir les adversaires c'est pas pratique. Et là par exemple voilà une alarme qui se déclenche, du coup ça devient tout rouge, il y a des éboulements, bref c'est un peu plus le bordel. Et ça pimente un peu l'action qui est en train de se dérouler. Et on peut mourir bêtement d'une chute de cailloux sur la gueule. Donc tu peux te bouger un peu mec, c'est un peu lent.
Ah, c'est l'autre qui m'a eu à l'arc. Zut. Je fais pas une super bonne partie. C'est con. Mon arme est précise comme rien du tout, comme une merde. C'est pas précise du tout, c'est n'importe quoi. Ça, c'est un piège projeté par nous. On va essayer d'avoir le type qui est là. Voilà, le gun est vachement plus précis. Hein. Je peux pas chipoter. Nickel, ça passe. Il perd ça vite. Quelques chances vont passer là. On va mettre un piège. Hop. Purée, alors là, je sais pas comment j'ai fait pour ne pas mourir. Son gun, c'était... C'est une tuerie, son gun. La grenade, je l'ai... Ah, égalité. Ah, c'est la première fois que ça fait égalité. Dis donc. Eh ben, je suis désolé. Ah, et puis ils ont gagné en plus la manche d'avant, ouais. Eh ben, vous ne saurez pas qui c'est qui va gagner. C'est bête, hein. Parce que sinon, la vidéo va durer un peu trop longtemps. Donc, je préfère qu'elle dure un peu moins longtemps. Et puis, comme ça, que vous la regardiez tranquille, peinard. Donc ouais, je trouve qu'il y a quand même vachement de trucs qui vous gagnent de l'XP, donc ça c'est pratique pour monter facilement de niveau au début. Je pense que c'est quand même pratique. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Cette petite vidéo et que c'est un plaisir pour moi en tout cas de jouer à ce jeu et de vous faire découvrir un peu tout. Bref, portez-vous bien. Ciao, bye bye, salut. J'arrête un écran portant la mention play again.